Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo bon plan. Je vous en avais fait deux il y a déjà bien longtemps. Du coup, je vous les remets en barre d'infos et dans les petits i à un moment donné dans la vidéo. J'espère en tout cas dès maintenant que cette vidéo va vous plaire un max. On like surtout, on n'oublie pas et on s'abonne si c'est pas encore le cas. Let's go! Aujourd'hui, je vous propose 15, 10, 15, 16 même, je crois bien, si je ne me trompe pas, 16 sites bon plan pour recevoir des produits gratuitement à la maison, sans forcément être influenceuse, hein, je le précise. Donc, je vous épargne le petit blabla sur les 4 sites très connus pour les influenceuses, les Instagrammeuses, c'est-à-dire Octoly, Evency, Yo, et Influencer Brand. Je vous les mets évidemment en barre d'infos, mais je ne vais pas vous en reparler. C'est destiné à ceux qui ont un petit réseau social, enfin une petite communauté, on va dire ça comme ça. Et je vais vous parler des autres. Évidemment aussi, je ne vais pas vous faire un grand blabla sur les sites de cashback où on peut gagner un petit peu de sous, cumuler un petit peu d'argent, c'est-à-dire Poulpio, iGraal, eBuy Club, etc. Pareil, je vous les mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Vous gagnez de l'argent en passant par mes liens et vous gagnez de l'argent, j'en gagne. Et puis comme ça, vous pourrez aussi cumuler des sous sur votre petit cashback à vous dès que vous allez acheter chez Sephora, chez Decathlon, etc. Ça, c'était la parenthèse pour éviter de refaire le même blabla qu'avant. Il y a beaucoup de sites, hein. J'ai répertorié tous ces sites-là avec l'aide de ma copine Lily Auré sur Instagram. Je vous invite vraiment à la rejoindre. C'est une fille adorable et en plus de ça, elle aussi, elle vous partage les bons plans, les bonnes choses qu'elle trouve sur son Insta. Donc, je vous invite à la découvrir et avec elle, on a fait une petite liste un petit peu des sites des sites qui vous permettent de recevoir des produits gratuits, sachant qu'elle en reçoit beaucoup plus que moi en tant que non-influenceuse. Moi, j'en reçois parce que je suis influenceuse entre guillemets, hein, je dis bien, mais elle, en tant que cliente, en tant que personne lambda, elle n'a pas forcément 40 000 abonnés et du coup elle reçoit quand même des petites choses grâce à ces sites-là. Donc vous pouvez participer. En revanche, en commentaire, ne me dites pas moi j'y arrive pas, comment faut faire sur le site, etc. Il faut se débrouiller. Moi je vous donne les bons plans, après c'est à vous d'aller voir, d'aller les fouiner sur les sites, mais je vais essayer de vous donner un maximum de liens et de vous mettre quelques photos par-ci par-là pour que ça soit clair pour vous. Le premier site est, j'ai envie de dire, le plus connu, c'est le TRND. Donc je vous mets ici, c'est un site encore une fois que destiné à ça, c'est-à-dire vous vous inscrivez, vous remplissez vos coordonnées, etc. Et ensuite, vous vous inscrivez à des campagnes. Par exemple, leur campagne en ce moment, ça va être pour tester telle crème hydratante. Pas vous vous inscrivez et ils choisissent parmi toutes les personnes qui se sont inscrites. Il va falloir que je revoie mon français aujourd'hui. Ils choisissent, imaginons, sur 150 personnes, ils en choisissent 60 selon le nombre qu'ils ont besoin pour leur campagne de test. Et vous devez tester et ensuite vous devez faire un petit retour sur le site pour dire votre avis, etc. Donc TRND, c'est un des plus connus et c'est un des plus fiables. Honnêtement, il n'y a pas de problème. Bien sûr, vous n'allez pas être sélectionné pour tout, hein, c'est une sélection, hein, donc. Mais ils ne sélectionnent pas les influenceuses. Déjà, moi, je m'y inscrivais avant, j'étais pas sélectionnée tout le temps, j'ai été sélectionnée de temps en temps. Ils proposent de tout, d'ailleurs, de la beauté, des choses qui n'ont rien à voir avec la beauté. C'est un peu mélangé, de la nourriture, etc. C'est vraiment un site de tout. Vous avez aussi le site Sampleo qui vous propose aussi encore une fois de la beauté, mais pas que, d'autres choses, des boissons. Vraiment de tout, de tout, de tout. Et pareil, c'est le même principe, vous vous inscrivez, ils font une petite sélection et puis ils vous répondent en vous disant c'est bon, vous êtes sélectionné, vous allez recevoir un petit colis, etc., etc. Vraiment, ce sont des super sites, déjà c'est des basiques. Vous avez aussi Beauté Test. Moi, je vous avoue que j'ai jamais tenté d'avoir des produits, mais je sais que beaucoup d'entre vous parlent un petit peu sur les forums, etc. et s'inscrivent pour recevoir tel ou tel produit de beauté. Forcément là, c'est que pour la beauté, hein, Beauté Test. Et pareil, on vous demande après de faire un petit retour pour dire ce que vous avez pensé du produit. Vous pouvez en faire plusieurs retours au milieu de votre utilisation et puis à la fin, donc c'est plutôt sympa. Et après, vous-même, ça peut être un site de référence pour aller voir un peu les avis des consommatrices sur tel ou tel produit. En numéro 4, il y a le site Meilleur Produits Bio. Donc c'est un site aussi, encore une fois, avec des petits produits à tester. Honnêtement, je ne l'ai pas testé. C'est un site que m'a conseillé Lily Auré. Donc je vous invite à aller le découvrir. Je vous mettrai une petite photo pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais pareil, moi je vous dis vraiment les sites bon plan. Après, c'est à vous d'aller fouiner et vous inscrire sur les campagnes, les choses comme ça pour tester donc là des produits bio. En numéro 5, c'est le Petit Marseillais qui a une petite case produits à tester, leur nouvelle gamme souvent, leur nouveau shampoing, leur nouveau gel douche, etc. J'en recevais beaucoup avant, je m'inscrivais et puis après j'ai arrêté de m'inscrire parce que j'ai pas mal de stock, donc j'ai arrêté de m'inscrire. Mais vous pouvez le faire, pareil, encore une fois, ce n'est pas forcément, ce n'est pas même
forcément pour les influenceuses, ça peut être vraiment pour tout le monde, il faut s'inscrire. Je crois que j'ai des liens de parrainage, mais je suis pas sûre. Si j'ai des liens de parrainage pour certains sites, je vous les mettrai en barre d'infos, mais je ne suis pas sûre honnêtement, parce que c'est des sites, ce sont des sites où je ne vais pas tout le temps, puisque moi je peux recevoir certains produits par moi-même via des plateformes spécialisées. Donc je préfère laisser pour vous, pour les consommatrices, la chance, j'arrive pas à parler aujourd'hui, la chance de recevoir ces produits-là. Donc je m'inscris plus forcément, mais je vous donne le bon plan. Lily Auré donc m'a aussi conseillé le site Le Club des L'Oréalistas. Des L'Oréalistas. Ce club, donc vous avez bien compris, qui vient de L'Oréal, vous permet de tester des produits L'Oréal. Donc pareil, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez tester des produits make-up ou des soins, peut-être des soins capillaires, etc. à L'Oréal, ça peut être le bon plan. Sur le site un peu Carrefour, il y a petit crochet, mon produit, mon avis le rend gratuit. Alors là, c'est pour tout et c'est surtout pour de la bouffe. Sachez que sur mon avis le rend gratuit, vous avez des petits produits à choisir. Alors moi, ça se passait comme ça avant. Est-ce que maintenant ça a changé? Est-ce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé? Mais vous choisissiez 2-3 produits et quand vous alliez faire vos courses à Carrefour, au bout de 30 euros, ces produits-là, vous pouviez les avoir gratuitement, vous les faire rembourser. Il vous fallait mettre votre avis, etc. sur le site mon avis le rend gratuit. C'est assez simple et c'était plutôt sympa d'avoir des petits produits comme ça gratuits pour tester et dans des produits du quotidien. Au niveau beauté, il y a le site, on est quand même en 8e place là, en 8e place déjà. Il y a le site produits à tester, donc tout simplement des produits à tester. Pareil, il faut s'inscrire sur des petites campagnes et être sélectionné. Donc il y a plein 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 de campagnes différentes, mais là aussi, encore une fois, pas que de la beauté. Là, on retourne sur la beauté avec le 9e site, c'est le So Bioéthique, donc les Être Testeur. Il y a un petit onglet Être Testeur pour tester les produits So Bioéthique et donner son avis sur le site. Ça, j'en avais reçu aussi il y a quelques années maintenant. Après, j'ai pas relancé les campagnes, mais je sais qu'il est encore actuel et que ça fonctionne encore maintenant. On a trouvé aussi avec Lily le site Au Féminin Club des Experts. Et sur ce site Au Féminin Club des Experts, vous pouvez recevoir aussi des box complètes avec des produits, des lots complets et tout, à tester aussi encore une fois et pour donner son avis. Donc celle-ci, j'ai jamais testé, mais j'avoue que ça me donne un petit peu envie, hein. Au Féminin, c'est un site vraiment référence. Et là, je trouve ça trop cool, leur idée de petite box, de petits lots. Je ne savais pas, mais Lily me l'a fait découvrir. Nivea aussi a une petite case test et du coup vous pouvez proposer vos envies, tester avec eux quelques produits. Bien sûr, je pense que ça fonctionne encore une fois par ce système de campagne. Donc c'est terrible. Surtout si vous connaissez certains des sites, si vous les avez déjà testés, si vous adorez ou pas, dites-nous tout 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 en commentaire parce que ça peut en intéresser plus d'une. On est déjà en numéro 13, le site Nestlé Croquons la vie, et ça c'est un bon plan pour les femmes au quotidien, ou les hommes hein, de tous les cas, puisque vous pouvez tester des produits là-bas aussi, mais vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir un petit catalogue à la maison, donc Nestlé Croquons la vie, et vous recevez un paquet, mais un paquet de réductions, mais des réductions quand même plutôt sympas. Je sais pas, par exemple la lessive, je sais pas moi, le chat, au lieu de la payer 7 euros, et ben vous avez une réduction de 5 euros quoi, donc des réductions quand même de malade, c'est pas genre 50 centimes, donc moi je les reçois à la maison, donc Nestlé Croquons la vie, mais je crois qu'aussi ils ont des campagnes de tests, etc. Donc j'avoue que j'ai pas testé ce côté-là du site, mais allez fouiner, hein, je vous mets tous les liens. Il y a le 14e site, The Insider. Alors je regarde ici parce que j'ai ma liste, hein, sinon je vais pas me mémoriser tout, hein. The Insiders. Et le site aussi Envie de Plus. Honnêtement, il y a trop de sites. The Insiders, je ne connais pas, mais je vous mettrai en barre d'infos. Pareil, c'est un bon plan de Lily. Lily Auré est trop forte, elle a trop de bons plans comme ça. Donc c'est pour ça que je partage cette vidéo avec elle et vraiment aller la découvrir. Du coup, The Insider, c'est un site, encore une fois, pour recevoir des produits gratuitement, pour des campagnes, etc. C'est vraiment, je pense, top. Et Envie de Plus, je connais. C'est dans le même principe que Nestlé Croquons la vie. Je crois que vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir un petit magazine à la maison, donc par courrier, et vous avez des super réducs à l'intérieur. Et en plus de ça, vous pouvez, je pense, tester certains produits. Mais moi, je vous avoue que les réducs à l'intérieur, c'est ce que je kiffe, parce que c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, des réducs de dingue. Pour finir, en numéro 15, mais j'en ai un 16e que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est le site Cybertester ou Test Club. Vous en avez vraiment plein. Moi, j'ai fouiné pour vous trouver ces petites pépites. Après, comme je vous l'ai dit, j'ai pas tout testé, mais j'ai fouiné. Il y a des sites dont je ne vous ai pas reparlé, là, aujourd'hui, dans cette vidéo. Il y a le site Philips
etc. Parce que j'en avais parlé dans mes précédentes vidéos, donc j'avais pas à refaire tout le temps du repeat. Mais comme je vous ai dit, allez zioter mes autres vidéos pour aller découvrir ça. Mais le site Cybertester, comme vous le comprenez, c'est un site de test pour les gens comme vous à la maison. On passe par internet, on teste et tout, et ça peut être très cool. Et le site Test Club aussi, qui est très 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 bien réputé. Le dernier petit site, si je ne me trompe pas, je l'ai pas sous les yeux, je l'avais pas noté, mais je l'ai découvert grâce à LilyMuse85. Je vous mets sa chaîne YouTube ici, là, dans la barre d'infos. Elle a parlé d'un site qui s'appelle Lucette pour tester aussi des produits, et elle-même elle reçoit des petits produits à tester. Donc le site Lucette, j'essaierai de vous le retrouver et je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà, voilà pour les 16 sites quand même, bon plan, où vous pouvez recevoir des petits produits gratuitement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été un petit peu rapide, mais je vais essayer d'inclure des petites images et tout pour que ça soit plus parlant pour vous. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Sachez qu'en tant qu'influenceur, vous avez aussi le site Awin qui vous permet d'avoir des liens d'affiliation. Ça, j'en parle pour la petite catégorie finale, qui vous permet de, du coup, quand vous passez par ces liens d'affiliation, même moi j'en utilise, hein, quand vous passez par certains liens, ça me fait gagner une petite commission vraiment de quelques centimes. Donc je le dis pour les influenceurs qui me regarderaient et qui ne connaîtraient pas ce site. Vous avez le site Awin, vous avez aussi le site Affilae, si je ne me trompe pas. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Je ne gagne rien en vous parlant de tout ça, hein. C'est du partage. Il y a certains sites où j'ai des petits liens de parrainage, mais sinon je ne suis pas payée pour faire cette vidéo. J'ai envie de partager avec vous, et Aurélie, donc d'Instagram Lily Auré, a envie de partager aussi ses bons plans avec vous, comme ça on partage avec notre communauté. Et comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de sites de cashback aussi. Lily aurait les utilise aussi beaucoup. Moi je les utilise énormément, mais j'utilise surtout mes liens d'affilié à Win. Mais voilà, je vous mets tout en barre d'infos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire, vous, les sites que vous utilisez, et peut-être que moi je n'ai pas utilisé, que je ne connais pas et que je n'ai pas cité aujourd'hui. N'hésitez pas à nous partager ça aussi dans les commentaires. Évitez de me mettre 50 000 fois votre lien de parrainage, hein, parce que je sais qu'il y en a qui sont doués pour ça. Ils vont nous mettre leur lien de parrainage, mais sur 50 messages. Non, si vous voulez partager un site que je n'ai pas, dont je n'ai pas parlé, vous nous en parlez. Vous nous mettez votre lien de parrainage si vous voulez, mais une fois. Hein. Une fois, ça suffit. Pas besoin de le mettre 50 fois. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. On n'hésite pas, on n'oublie pas de liker, de mettre cette petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Salut !